Et yo tout le monde, c'est Shane et Super Kiki. Salut. Je suis désolé, ça faisait déjà 2 semaines qu'on n'avait pas fait de série sur notre aventure One Block. Mais aujourd'hui, Super Kiki, on va terminer notre aventure. Ah, t'es pas content qu'on termine notre aventure? Oui, moi, je voulais qu'il fasse dire plus longtemps. À voir. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette aventure, je te conseille très fortement d'aller voir la partie 1 et la partie 2. Parce qu'on a commencé le début de l'aventure, on était sur un seul bloc. C'est lui qui nous donne tout le stuff qui est maintenant sur la map. On a nos arbres. La dernière fois, on a réussi à faire de l'eau infinie. On a réussi à avoir une vache comme ça. Et Super Kiki, il avait une technique de malade. Parce que si tu prends tout simplement des bols, tu peux avoir de la soupe à l'infini. Oh mince, il va faire nuit, Super Kiki. Les amis, j'ai réussi à me dégoter l'adresse IP du serveur. Regardez, elle est juste ici. Serveur One Block Unchained. Il y a Unchained et Iki Crépus de connecter. Et en fait, j'aimerais me connecter, m'infiltrer sur leur serveur One Block. Mais je sais pas s'il y a la place, parce que c'est tout petit, vous savez, ils ont commencé avec un bloc. Donc si je rejoins le serveur, est-ce qu'ils vont direct me capter et je vais me faire cramer? Mon but, ce serait de m'infiltrer. J'espère que vous allez bien, les amis. Ça fait trop plaisir qu'on se retrouve pour cette aventure. Je pense que c'est l'aventure préférée de toute ma chaîne YouTube. Alors, on va à la maison, les gars, parce qu'il faut que je termine le toit. Il fait nuit, j'ai mis des petites torche comme ça parce que la dernière fois il y avait des creepers et des squelettes qui avaient spawné en haut de ma maison. Ok les gars, on va rejoindre le serveur. Alors comment tu veux la faire? Est-ce que tu es fort en architecture mon gars? Oh my god, oh, une échelle, ils sont connectés, regardez, ils sont là en haut, on les voit, mais il faut que je monte. Ok. Moi j'ai pas trop envie de dépenser de ressources quand même, du coup on va faire une maison simple. Oh, ils sont là-bas, regardez, ils sont tout au bout là-bas. Attendez, est-ce que j'irai pas leur piquer du stuff en bas? Attends, vas-y, j'y vais. Est-ce qu'il y a du stuff ici? Ok, il y a pas de bouffe. Oh, il me faut de la bouffe. Ok, là il y a des pommes. Je prends des pommes. Ok. Ah, oh, c'est stylé de ouf. Attends, je voulais mettre un double coffre ici. Genre, je mets un double coffre. Ici, je vais mettre double sol pour qu'on puisse poser. Et là, ensuite après, il y a pas une âme. Ah. Ce qui peut décider, c'est qu'on met un autre double coffre ici. Tu vois, on essaie de faire un endroit stylax. Hey, elle rend bien la maison, mon gars. Hein. J'ai une pelle avec moi si jamais je veux me défendre. J'ai des pastèques si j'ai faim et des pommes aussi. J'ai aussi pris un arc et des flèches. Comme ça, je vais pouvoir tirer dessus de loin. Oh, ils sont en train de sortir. Iki Crépus qui est descendu, regardez. Là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut faire plein d'allers-retours entre notre coffre là-bas et prendre tout le stuff qu'on a là-bas. On le met ici dans notre maison sécurisée de la mort qui tue sa mère. Ok. J'ai envie de leur tirer dessus, attendez, surcharge. Au! Je me suis fait attaquer! Je me suis pris une flèche! Mec, viens, on monte là-haut. Il doit y avoir un truc là-haut. Ils sont en train de monter. Faut que je me casse. Fais gaffe à toi, hein. Ok. Ouais, ah, pas squelette, c'est où? Peut-être ça venait de là-bas. Attends, mais il y a bien un squelette qui nous a tiré dessus, c'est pas possible. Oh, il est en train de... Oh, il m'a pas vu, frère. Hop, je continue à dévaliser tous les coffres. Allez, on va tout poser ça. Ok, les gars, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller casser du bois, ok? Il commence à faire genre, mec. On a fait la première nuit. Ils sont juste allés, ils reviennent. Je suis derrière un arbre. Et grâce à ça, ces coffres-là, on va pouvoir tous les enlever et continuer à casser le caillou. On a une compétence qu'on doit faire, c'est avoir un seau de lave. Vas-y, tu peux casser les arbres si tu veux. Non, casse pas des arbres, il crépus. Non. Pour l'instant, on a eu des seaux d'eau, mais il nous faut un seau de lave. Il faut qu'on tue un villageois. Il faut qu'on tue un iron golem aussi et avoir du papier. Mon dieu. Oh la chatte que j'ai. Non, viens pas. Là c'est bon, s'il y a des creepers qui explosent ou quoi, c'est pas grave les coffres. Comment ils vont pas me voir, c'est pas possible. Oh, salut la vache. Bateau. Ça va être notre vache de compagnie, on va faire un bateau. Ici je me mettais dans leur maison. Super Kiki, t'as oublié de faire un truc, il faut replanter les arbres après les avoir coupés. Ok, j'y vais. Je cours, je suis dans leur baraque. Ok, je suis dans leur maison. Oh, ils ont encore d'autres melons. Alors je prends, frérot. Ils ont un steak, je le prends aussi. Du bois, des trucs comme... Non, il revient. Je prends ma pelle. Hop là. Nickel. On a une deuxième vache de compagnie dans un petit bateau. Oh my god. Non, rentre pas, Crépus. Tu penses que tu peux rentrer à l'intérieur? D'abord, on va la mettre ici. Après, on la déplacerait plus tard. Alors, là, en vrai, prochain défi, ce qu'on pourrait faire, c'est terminer la maison, faire un petit toit en triangle comme ça. Et... après, on va s'occuper de l'usine à mob, d'accord? Ok, vous voyez, là-bas, il y a une usine à mob, il faudrait que j'arrive à y aller, les gars. Ok, j'y vais. J'y vais. Oh, ils me voient pas. Ils m'ont pas vu, mais ils sont complètement bigleux. Oh! C'est quoi cette pierre? Ok, je suis bien. J'ai eu de la basalte lisse. Nouvelle pierre. Et c'est quoi en bas là? Je meurs là si je vais en bas. Je vais crever si je tombe là, non? Ok les gars, je me casse. Ciao. Oh, encore une vache. Ah bah on va la tuer. Attends. Petite vache. Est-ce que t'es abonné à une fille ou pas? Elle a dit non. Abonnez-vous les refs. On est bientôt aux 2 millions d'abonnés, c'est un truc de malade. Oh, j'ai un coffre, j'ai quoi dedans? Oh, du charbon et tout. Vas-y, va faire la ferme à mob, j'arrive aussi.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Quoi? Allô, allô les gars? Ouais, salut! Qu'est-ce que tu fais là, Brice? Qu'est-ce que tu fais sur mon serveur? Je fais une petite visite, je vois que c'est sympa là, c'est un bel endroit ici. Vous avez besoin de moi peut-être pour cette aventure? Mais mec, on n'a pas la place pour toi, frère, c'est tout Rikiki. Comment t'as fait pour joindre? Eh, vous êtes vraiment bigleux, hein. Depuis tout à l'heure là, je vous espionne, vous m'avez pas vu. Super Kiki, qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non, tu viens pas! Mais comment ça, je viens pas? Écoute, tu me dois bien ça de la vidéo cache-cache, ok? Non, c'est vrai! Je vous aide! Ok. Tu sais que c'est Brice qui t'a trouvé en dernier. C'est grâce à ça qu'on connaît Super Kiki. Exactement. Donc sans moi, tu serais même pas ici. Ce serait moi. Alors tu acceptes et puis je vous aide. Brice, viens avec moi. Eh, t'inquiète pas, je te jure, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Ok, bah tu vas m'aider à faire le fol. Puis nous, regarde qu'est-ce qu'il fait dans la main. Oui, oui, c'est des menaces là que tu me fais, c'est ça? Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, attention hein. Si t'es présent ici, il faut qu'on fasse plus de blocs. Donc tu vas miner et tu bouges pas. Bon, Super Kiki, on le laisse, c'est quoi? On lui donne une chance, d'accord? Ah ouais, super, donc moi en fait, je suis celui qui fait le travail répété. Ah! Ouais! À l'attaque! Ensemble! Ok. Merde! Wesh. Comment ça se fait? Hey, qu'est-ce que tu as fait là? T'as invoqué des mauvais blocs? J'ai cassé le bloc et ça y est, des zombies qui ont spawn. Tu veux casser notre aventure, c'est ça? Mais pas du tout. Allez, viens, non, Super Kiki. Toi, tu t'occupes de l'usine et moi, je m'occupe de la maison. Oh, une araignée! Elle est morte, c'est bon, j'ai tué. Hop là, et là, en vrai, ce qu'on peut, on peut casser ça. Et là, on peut mettre un autre coffre. Hop, hop, je suis un pro. Eh, je suis pas inutile, j'ai tout mon inventaire de plein. Eh ben, Brice, si ton inventaire, il est plein maintenant, tu peux aller aider Super Kiki pour faire une usine à monstres. Prenez le stuff qu'il faut et allez faire l'usine. Ok, vas-y, vas-y, ça marche, ça marche. Il faut que je fasse quoi, du coup? Tu veux que je construise quoi, ici? En fait, on fait un grand truc, là, tu vois, très grand, de hauteur, et après, on va tout fermer. Ok, ok, vas-y, vas-y, bah, allez, c'est parti, on fait ça. Waouh, ça avance bien, les gars. Regarde, Brice, ce que j'ai fait. J'ai fait un petit toit, t'as vu? Oh, tu fais un toit. Et ouais, je fais un petit toit, ma mène. Le toit, je peux pas trop fuffer, mais c'est pas le plus beau. Eh, je fais mon maximum, d'accord? Écoute, Charles, je vais te dire un truc très honnête, c'est pas beau. Écoutez, on est en mode survie, moi, je fais juste une maison, d'accord? Allez faire votre usine, là. Va faire ton usine, toi. Touche pas à ma maison, là. T'es trop méchant, Charles, t'es trop méchant, là. Hein. Ouais, toi, Brice, hein, on a déjà accepté que tu viennes dans notre monde, alors. Eh, moi, je vais apporter ma plus grande aide, hein, donc voilà, poète, poète. Ma maison, elle est belle. Ouais, elle est trop belle, ma maison. Qu'est-ce que vous dites? Bah, en fait, T'as raison. Pas du tout. Notez sur 10 dans les commentaires, s'il vous plaît, ma maison, les gars. En vrai, ça va, elle est pas mal, de loin, de très loin. Eh ben, franchement, vous, votre usine, elle est éclatée. Juste la route pour aller, déjà, il y a des blocs en plus. J'avoue que là, visuellement, entre ta maison et l'usine, bon. Est-ce qu'elle est fonctionnelle, je vais voir. Oui, bien sûr qu'elle est fonctionnelle. Voyons voir. Alors, comment ça fonctionne, l'usine? Oh, une araignée. Eh ouais, frérot, je t'ai dit, bien sûr que oui, ça marche. Ah, ça fonctionne. Ce tombeau sera ton tombeau. Mais il est confiné. J'ai une pioche. Merde, il a une pioche. Ok, alors explique-nous, Super Kiki, comment ça fonctionne? Bah, il faut attendre et les mobs ils spawnent et tu les tapes. Bon, bah, l'usine, bah, on va revenir la nuit. Venez, les gars, on va loin, comme ça, ça va spawner de malade. Hein. Vas-y, 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 vas-y. Hein. On va déjà spawner, il y a déjà des squelettes. Ah ouais? Vas-y, j'y vais, j'ai pas peur. Ah, je vais mourir. Ah, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Waouh. Les gars, pourquoi il y a que des squelettes? Il y a plein de mobs là-bas, regarde. Mais on peut pas y aller en fait. On a fait une usine à mobs, mais on peut pas y aller, on est pas stuff. Non. Ah, attends, j'y vais. Oh, mec, c'est pour ça que j'ai voulu faire une maison. Parce que c'était pour pas que ça explose nos coffres ici, tu comprends? Ah, on est quoi? Phase 3, regarde dans le 4. You reach phase 3 snow bio. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la neige qui va venir. Oh mon dieu, on augmente dans le jeu, les gars, ça veut dire. Oh, un dog. Vite, ah, c'est vite, un chien, c'est un chien. Non, n'y va pas. Mec, il y a tellement, tu sais pas, tu vas mourir. Mais il va mourir, mec, il y a tellement. Oh, mais mec, le nombre de zombies. Non, amène-les pas ici, mec, on va mourir. Pourquoi on a construit ça? Oh, un ours polaire, il m'attaque. On va mourir. C'est quoi cet ours polaire? Je l'ai tué. En vrai, notre usine, elle est fonctionnelle, mais il faudrait peut-être sécuriser les pompes pour pas qu'on tombe. Ouais, alors toi, tout à l'heure, qui disait que c'était nul, bah, en fait, c'est vachement bien. Est-ce que t'as un os? Oui, oui, fais un os. Oh, la toutou, la toutou. Et les gars, on l'appelle Loki. Oh, punaise, t'es squelette. Les gars, arrêtez de piocher, il faut qu'on se fasse un stuff en fer, là, on va pas réussir à survivre, non, sinon. Je veux passer face, je sais pas combien. Oh, une chef des montagnes. Oh, elle saute. Fais-moi du fromage. J'aime tout ton fromage, toi. Oh, vous l'avez tué encore. Allez, cassons, comme ça, on va passer level 4. Mais les gars, on commence vraiment à être riches. Oh, je vais prendre un petit chapeau pour me protéger. Oh, niveau 4, Deep Slate Cave. Ah, en fait, la Deep Slate, c'est la couche négative. Mais on va avoir du diamant, ça veut dire. Je continue à cacher. Et par contre, Brice, il est là. On n'est jamais allé aussi vite. Du diamant, 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 du diamant.
T'as vu, par contre, au plus on augmente de niveau, Brice, au plus les mobs, tu vois, on a eu deux creepers au même endroit. Attends, je vais reboucher. Waouh, toi, t'as fait quoi avec ça? C'est pour prendre la laine des moutons? Oui, c'est pour prendre la laine des moutons. Très bonne idée. Oh, diamant! Oh, diamant! Let's go, mec! Ah! Oh my god, bro. J'ai fait crever avec mon premier diamant dans les mains. Wesh, incroyable. Diamant encore! C'est bon, mec. Oh, comment ça s'est roulé dessus, mon gars. Tiens, Unfane, tiens pour la cinnamon. Merci, mon gars. Les amis, il est temps que je fasse la première armure du serveur. Bah Unfane, regarde, je suis un aventurier. Oh, comment t'as fait ça? Je peux la tester? Oui, tiens, tu l'as prête. Merci, mon gars. Oh, mec, avec la grande vue de Super Kiki, regarde le nombre de mobs qu'il y a sur notre usine. Oh, nouveau truc. Phase 5, Lush Drip Cave. Let's go. Il y a encore des nouveaux items. Oh, diamant. Diamant. Oh, non. Tu m'as volé mon diamant. Eh, méchant! Méchant! Les moutons! Super Kiki, rentre les moutons! Qu'est-ce que t'as fait? Super Kiki, attends, mon gars. Je suis en 1v14! C'est quoi ça? Pourquoi c'est quoi ce vieux truc? Il est tombé tout seul, lui. Oh, c'est quoi ça? Une potion? Oh! Y'a un bébé zombie sur une poule avec une épée qui m'attaque! En plus, mais c'est super rare ça! Il a un casque! Oh mec, c'est parti pour faire les jambières et le casque. Les amis, nous sommes full protégés! Ça se passe bien, Prissou? Bah écoute, ça va, hein. Je casse, je sais pas à combien de blocs cassés je suis, mais. Oh, t'es un axolot! T'as 1000 piles! Ah ouais! T'as 1000 blocs! Ouais, mais frère, comment t'as tryhard, mon gars? Le monster parti? C'est quoi ça? Oh, je suis tombé dans le vide! Les gars, je suis tombé dans le vide, mon diamant! Pourquoi, Brice? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je suis pas mort, c'est bon. Je suis tombé! C'est quoi ce bordel? C'est la fête des monstres? Et c'est passé quoi, Brice? Dis-moi tout. C'est quoi ce monster party? Je sais pas quoi. Regardez, j'ai réussi à crafter le premier lit. Nice! Mets-le dans la maison en haut. Blé! Oh, tu vois, mais non! Oh! On est allé sur quelle phase là? Ça a changé. On est sur la phase 6, 7. Oh! Oh! Un villageois! Steven, il a rien à nous vendre. Non, tu le pas. On en a besoin pour nos défis. On doit tuer un wandering trader. C'est pas lui! Bon, laisse en vie, Steven, ok? Oh! Les gars, il y a un truc qui peut échanger. Il est invisible, il est devant moi. Le villageois trader. C'est lui qu'on doit tuer? C'est un con. Ah oui. Ok. Je l'ai eu. Oh, nouvelle phase, Jungle Dungeon. Est-ce que vous savez comment on fait spawn un Iron Golem? 3 blocs de fer et une citrouille. Ok, est-ce qu'on a une citrouille? Non, mais on a des, je crois, des plantations de citrouilles. Nice, c'est bien ce que tu fais, mec. Donc, les gars, c'est bon, là, on a fait une nouvelle plantation spéciale citrouille pour faire spawn un golem de méthane et pour, du coup, débloquer cette récompense-là. C'est bon, fais une citrouille. T'as déjà une citrouille? Oh, let's go, frérot. Nice. Je continue à casser des blocs au cas où si on arrive à avoir du fer en plus. Ouais. Il m'en faut encore 8 fer. Et on est bon? Et après on est bon. Ah ouais, bon, ça devrait le faire. Ouais. Un perroquet. Deux perroquets. Ah, il faut des drones. Je vais les faire apprivoiser. Apprivoise-les. Les gars, c'est bon, j'ai pile poil le nombre pour faire spawn le golem. Alors les gars, on monte à l'étage d'au-dessus, les gars. On va faire spawner le boss. Vas-y, Brice, fais le spawn. Attention. Un bloc, deux blocs, trois blocs, quatre blocs. J'ai peur. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Pour votre grand Dieu ébahi. Bah. Ah, il est là. Oh, oh, attaque. Oh, faut le taper. C'était le boss le plus simple de toute la terre. Nice, les gars, c'est golden. Les gars, moi, je vous propose que j'arrondisse mon nombre de blocs cassés à 1500. Il m'en reste 7, 4, 3... 2. Oh, un panda! Un panda! Seul, il faut le garder celui-là. Hein. Les amis, on va faire le récap pour cette troisième partie. Brice nous a rejoint, a fait plus de 1500 blocs. Super Kiki a eu deux perroquets. Mais pas que, regardez le nombre de vaches maintenant qu'on a, plus le nombre de moutons. On a triplé la population. Et aussi un panda ici qui pleure qu'à de la mort. Une deuxième vache. Les deux toutous, ils sont là. On a terminé la maison avec deux lits. Et on a un villageois qui squatte notre maison. C'est un truc de malade. Nos champs de pastèques, on a réussi à débloquer. On a fait notre champ aussi de citrouille. Une usine à mobs extrêmement dangereuse. En termes de stuff, regardez tout ce qu'on a, les coffres, c'est une dinguerie, frère. On a fait des coffres jusque là-bas, mec. Regardez, 9 de diamants. Et à propos de la phase, on est arrivé à la 9e. Active la cloche, tu vas voir une prochaine partie sur l'aventure One Block. On sera pour la prochaine fois toujours avec Super Kiki. Et bien entendu, Brice des Brice continuera l'aventure. Let's go, les gars. Bisous, Brice. Bisous, Super Kiki. Bisous, Charles. Bisous, Super Kiki. Clique juste ici, tu vas voir une autre vidéo masterclass. C'était une chaîne geek comme un porc. Ciao, bye. Simmer.